Des histoires en veux-tu, des histoires en voilà, des histoires à gogo qui vous rendront gaga. Il y en a pour tous les goûts, pour les filles et pour les gars, pour les grands et les petits, pour les monstres et les gentils. Oh oui. Compagnie dans les bacs à sable. Ce matin, comme tous les matins, Momo se réveille le premier. Il descend dans la cuisine et engloutit son petit déjeuner. Il fait un tour dans le jardin, appelle Minou avec entrain, mais à son grand désarroi, le petit chat ne répond pas. Mimi se réveille à son tour et sans détour, elle descend à petits pas chercher son petit chat. Elle fait un saut dans le jardin, l'appelle avec entrain, mais à son grand désarroi, Minou ne revient pas. C'est alors que Momo trouve une lettre. Une lettre de Minou. C'est complètement fou. Sur cette lettre, il y a écrit « Mon très cher Momo, ma très chère Mimi, j'avais besoin de prendre le large. Je suis donc partie en voyage. Si vous le souhaitez, venez me retrouver. Tous mes déplacements sont notés sur ce plan. Je vous souhaite une bonne journée. Signé Minou, votre petit chat adoré. » Incroyable! Minou est parti en vacances! Il en a de la chance! Momo court faire les valises, tandis que Mimi consulte la carte. Elle découvre alors avec surprise que leur petit animal à quatre pattes est parti en Italie. Ni une ni deux, Mimi et Momo courent jusqu'à la gare et montent dans le premier train en chantant ce refrain. Nous partons faire le tour du monde, nous partons, tralala. Ne perdons pas une seconde, allons chercher notre chat. Nous partons faire le tour du monde, nous partons, tralala. Ne perdons pas une seconde, en Italie, nous y voilà. Nom d'un petit bonhomme, Mimi et Momo arrivent à Rome. Mais comment faire pour retrouver leur chat dans cette grande ville-là? Ils marchent, découvrent la ville et aperçoivent alors sur le trottoir des traces de pattes de petits chats. Minou est passé par là. Ils suivent les empreintes lorsque soudain, plus rien. Mimi et Momo comprennent que Minou le gourmand s'est arrêté manger dans ce restaurant. Ils entrent dans la pizzeria et se commandent un bon petit plat. Miam, que c'était bon! Ils en ressortent avec le ventre bien rond. Même s'ils n'ont pas trouvé leur chat, ils se sont régalés. Et c'est déjà ça. Après maintes réflexions, Mimi et Momo tombent d'accord. Ils doivent changer de destination en route pour l'aéroport. Minou le chat est parti au Kenya. Nous partons faire le tour du monde, nous partons, tralala. Ne perdons pas une seconde, allons chercher notre chat. Nous partons faire le tour du monde, nous partons, tralala. Ne perdons pas une seconde, au Kenya, nous y voilà. Ils atterrissent en plein cœur de la réserve naturelle du Maasai Mara. Et Momo se demande bien ce qu'ils font là. Mimi lui explique que tous les animaux de la savane vivent ici. Alors Momo a compris. Minou est venu se faire plein de nouveaux amis. Ils se promènent tranquillement et tombent comme par enchantement sur une famille d'éléphants. Comme ils sont grands! Ils poursuivent leur chemin. Ils rencontrent des singes, des girafes, des léopards, des hippopotames et même des guépards. Mimi et Momo sont enchantés, mais force est de constater que Minou est déjà reparti. Tant pis, il est temps de quitter le royaume des animaux. Et cette fois, ils voyageront en bateau. Nous partons faire le tour du monde, nous partons, tralala, ne perdons pas une seconde, allons chercher notre chat. Nous partons faire le tour du monde, nous partons, tralala,
Ne perdons pas une seconde à Hawaï. Nous y voilà. Plage de sable blanc, mer émeraude et palmiers géants, tel est le nouveau paradis de Momo et Mimi. Ils prennent leurs seaux, leurs pelles et leurs râteaux et font de grands châteaux de sable. À ce jeu-là, Mimi et Momo sont imbattables. Ils profitent du soleil, en oublient même l'objet de leur visite. Et malheureusement, sans qu'ils ne s'en aperçoivent, Minou a déjà pris la fuite. Mimi et Momo doivent se faire une raison. Minou a dû rentrer à la maison. Ils reprennent alors le bateau, l'avion et le train et retrouvent enfin leur petit chat confortablement installé dans son joli panier. Après avoir échangé de longues caresses pour fêter leur retrouvaille, ils se font la promesse de ne plus jamais se séparer. Demain, c'est promis, ils partiront tous les trois en voyage à la découverte du monde et peut-être même de la galaxie. Partout, on a beau fouiller, crier, miaou. Depuis ce matin, tu ne réponds pas. On a beau t'appeler, te chercher, mon petit chat. Où es-tu, Minou? Que fais-tu, Minou? Nous entends-tu, Minou? T'attendre, t'espérant à l'abri. Où es-tu,